Vous avez vraiment cru que vous pourriez atteindre le grand patron? Et changer votre destin si vous y arriviez? Ou écrire le vôtre? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je vous ai dit pourquoi. J'ai un message pour vous. C'est très clair. Même Thompson a un patron. Harry? C'est vous le grand patron? Non. Mais vous l'avez croisé? Lui ou elle? Tout le monde l'a croisé. Le grand patron se présente sous une forme différente à chacun. Comme ça, les gens comprennent rarement ce qui se passe. C'est un genre de test? En quelque sorte. Tout ça n'est qu'un test. Pour tout le monde. Il en va de même pour les membres de l'agence. David, vous avez tout risqué pour Élise. Et Élise, quand vous avez franchi la porte à la Statue de la Liberté, vous avez tout risqué, vous aussi. Mais vous m'avez enthousiasmé. On dirait que vous avez aussi enthousiasmé le grand patron. Ça nous concerne? Oui. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, ça dit que tout ce qui se passe entre vous deux est une grave entorse au déroulement du plan. Alors le grand patron l'a réécrit. Bien. Et maintenant? Maintenant? Vous prenez l'escalier. La plupart des gens vivent en suivant le chemin que nous leur avons tracé, ayant trop peur pour en explorer un autre. Mais de temps en temps, des gens comme vous se présentent, qui détruisent tous les obstacles qu'on avait mis sur leur chemin. Des gens qui comprennent que le libre arbitre est un cadeau dont on ne peut profiter que si on s'est battu pour l'obtenir. Je crois que c'est le vrai plan du grand patron. Qu'un jour, peut-être, nous n'aurons plus à écrire le plan. Vous le ferez.